Bien, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Tilly001. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo review. Je vais vous parler de Titan Souls. C'est un petit jeu qui n'a pas beaucoup d'histoire malheureusement, mais que j'ai trouvé absolument magnifique. Alors l'attention que vous devez porter sur ce petit jeu là par exemple, c'est la patte, pas la patte de, ben, en tout cas, la musique du jeu. C'est un jeu qui a été fait seulement rien que par deux personnes. C'est Mark Forster qui est au programme puis au design, puis Davin Fenn qui est un composeur puis le sound designer, puis c'est lui qui s'occupait de la business. Ils ont fait une qualité dans la musique, c'est débile. Puis les boss sont beaux, tout est beau. C'est un petit jeu que je trouve magnifique. C'est un petit jeu, si vous avez connu un peu Shadow of the Colossus, qui est à peu près le même principe. Tu sais, tu vas dans une zone à l'autre, il faut que tu pètes un gros monstre, puis c'est tout, c'est le même principe. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que j'ai loadé le petit trailer. Je vais vous mettre le petit trailer, parce que le petit trailer est intéressant. Puis on va revenir. On va s'en reparler un petit peu plus après le petit trailer. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit jeu que t'es rien qu'un petit bonhomme, puis qui tu te promènes, puis tu trouves tes boss, puis t'es tué. Là, on va vous montrer c'est quoi en jeu. Moi, juste tasser mon image, je serai pas trop long, parce que là, c'est un peu dégueulasse. Ok, non, on va quitter le jeu. On commence une nouvelle partie. Je vais partir, ben, une nouvelle partie complètement. Ça, c'est les défis qui parlaient au début. T'as les défis qui est difficile, c'est un vrai défi. Je sais pas trop c'est quoi la différence. Une seule vie, ni roulade, ni sprint. Ce qui doit être assez abusé à mes yeux. Bon, comment ça se prend? Ben, en jeu. Là, c'est un petit trailer de rien, là. On va laisser l'écouter, bon, on commence à s'en. C'était juste ça. Bon, comment que le jeu se prend en main? Moi, je l'ai fait à la manette chez LD18. Avec B, on peut courir et en faisant un petit coup sur B, il fait une petite roulade. Avec X, on tire. L'affaire qui est importante, c'est qu'en appuyant sur X, la flèche revient sur nous autres. C'est une affaire qui est extrêmement importante à savoir, parce que si on gère pas bien ça, ben le jeu il est quasiment impossible. Hop, faire des roulades, tu peux faire avec lui aussi, ça ne dépend pas de ton choix. En laissant ton doigt sur le bouton X, tu peux charger ta flèche pour la voyer un peu plus loin. Une affaire qui est importante à savoir, c'est que dans ce jeu-là, la flèche, quand tu la ramènes, quand tu ramènes la flèche vers toi, ça fait du dégât aussi. Donc là, on va laisser mettre un petit boss. Ça sera pas trop long. Comment que ça marche côté quand tu bats contre un boss? Il y a que c'est bien bien simple. Le trois quarts du jeu c'est le même. Tu tires dessus pour l'activer. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le fasses le fess. Oh, c'est le fess. Tu le fesses dans le bout qui est rose ou le bout qui flash. C'est aussi simple que ça le jeu. Fait que là, je vais vous montrer un peu c'est quoi le gameplay d'un boss. Là, je suis mort, t'as rien qu'une vie. Puis le boss aussi a juste une vie. Fait que c'est one hit, one hit. Fait que tu peux faire le boss en même pas 2 secondes, que ça peut te prendre 10 ans parce que t'es pas capable d'avoir.
Moi, je me rappelle très bien qu'à l'heure, j'ai pas été capable de faire. Puis j'en ai arraché, arraché, arraché. Je l'ai eu par chance la première fois. J'ai essayé de le faire en mode speed game, si vous voulez, le mode le plus vite possible. J'ai jamais été capable de le rebattre. Fait que là, je vais me taire. Je vais juste vous laisser écouter la petite musique du boss. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je la trouve géniale. Bon, là on va essayer de le tuer. Là, faut que j'aligne mon œil comme du monde. 2, 3. Ah, je l'ai raté. C'est normal. Ok, bien, là on va se concentrer. Merde, yeah. Ma flèche. Là, je jette à tôt. La flèche est extrêmement importante. Merde, yeah, faut pas le poignet. On va aller par ici. Merde, merde, merde. Aïe, on va rajouter un petit moment. Ah! Merde, bon. Ben, fait que je l'ai raté. Fait que grosso modo, c'était Titan Soul. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Puis c'est un jeu que je vous recommande à 100 000 à l'heure. Si vous aimez, en arrachez un petit peu. Parce que c'est pas un jeu qui est facile, je vous le dis tout de suite. Je l'ai passé en 4 heures. C'est pas très long, mais il y a des boss que j'ai trouvé facile, il y a des boss que j'ai trouvé super dur. Mais c'est un jeu que je vais refaire plus tard, c'est garanti. C'est un jeu, je m'en rappelle même, qui coûte 16 ou 17$. Pour ce qui est de la compagnie, je n'aime pas parler, c'est assez de nerd qui ont fait ce jeu-là, qui ont fait une affiliation avec Devolver. Je sais pas si c'est l'éditeur, mais j'ai un peu de misère à trouver les ressources complètement là. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça que j'avais dit, c'est que je t'ai envoyé pour tout ça. Et voilà, après je finis en tuant un boss. Ça va-tu pas assez bien? Bon, fait que je vais mettre fin à cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui est de YouTube qui est CD001. Ben non, c'est mon nickname, c'est pas bon. C'est Olivier Pindébien. Sur Twitter, c'est et sur Facebook, c'est TV001. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Fait que je vous dis à la prochaine review ou à la prochaine vidéo. Fait que à la prochaine. Bye bye.